Mesdames et messieurs, bonjour et merci encore une fois de plus de nous avoir choisis pour vous informer, pour communier avec nous dans les réflexions que nous faisons ici sur Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 22 août 2021 et nous avons décidé de venir encore auprès de vous au courant de ce week-end parce que beaucoup de gens nous ont posé une question qui est vraiment très, très, très primordiale, qui est principale. La question, c'est celui de du tribalisme. On ne s'éloigne pas de la ligne directive de notre constitution, ni de ce que nous nous sommes définis il y a quelques temps où nous allons parler, alterner de l'état de siège et puis de ce qui se passe à la désignation de la personne de la CENI. Nous faisons ces derniers temps ces réflexions-là, mais aujourd'hui, tellement que nous sommes dans des groupes à WhatsApp où la question est brûlante sur le tribalisme, beaucoup de gens posent la question, est-ce que le président Tshisekedi est un tribaliste? Est-ce que le régime actuel, on peut dire que ce sont des tribalistes, ce sont des gens qui appliquent le tribalisme? Est-ce que ce n'est pas le gouvernement actuel, est-ce que ce n'est pas le pouvoir actuel qui attise encore le fait du tribalisme au sein des institutions de l'État? Aujourd'hui, encore une fois de plus, permettez que nous puissions réfléchir encore, mais j'en avais déjà parlé, mais je vais vous répondre parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question-là. Oh non, Yosa Kolobabo est tribaliste, Yosa tribaliste, est-ce que Tshisekedi est tribaliste, est-ce que Ndengeni Yosa ko qualifier Tshisekedi comme tribaliste, comme pouvoir à l'élo est tribaliste, tout ça. Et la question va de ça prend beaucoup d'ampleur. Nous avons vu à Kinshasa, où il y a des gens maintenant qui commencent à organiser des manifestations contre le tribalisme. Nous allons développer cette question-là aujourd'hui dans cette tranche de Contact Pro Live. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élections.net. Gratuité de l'enseignement, suspension de 16 chefs d'établissement à Loubero. Puis à RDC finalement, Gabriel Kyungwa Kumwanza n'est plus. On va sur actualité.cd. Cape City, Nathan Idumba a fait ses débuts dès l'ouverture du championnat sud-africain. Puis RDC, le député national et sénateur de Maniema sollicite l'implication de Félix Tshisekedi pour permettre à Matata Ampogno de se rendre à l'étranger pour les soins. On va sur Congo profond. Mort de Kyungu, l'INAFEC invite de ses combattants à la sérénité et au calme. En conflit avec l'El Mayobo, Dorothée Gizenga crée le parti Lumumbiste unifié Gizenga. On va sur 7 sur 7. Pour Kangalonzo, 14 parlementaires, nous en avions parlé, ont écrit une lettre à Tshisekedi, et puis Nord Kivu, 16 chefs d'établissement suspendus, et puis Kasaï Central, UDPS en sit-in à la CENI depuis 3 jours pour réclamer l'élection du gouverneur. On termine par Radio Okapi, Équateur, des touristes européens en Mbandaka pour découvrir les cultures traditionnelles et richesses en forêt. Mbandaka toujours. Plusieurs cas de décès suite à la grève des infirmiers. Notabilité de l'Équateur. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Chacun d'entre nous appartient à sa tribu. Mais Toboui tribalisme. Chacun a son clan. Toboui clanisme. Chacun a sa région d'origine. Toboui régionalisme.
Koloba, Sokoba Tioawa, commissaire d'État, cabinet mobile, tribune ayonini, oyonini, tribalisme. Okoyoka bien, okoza la tranquille, okoza la malam, obele batuna tribune ayo, pene pene ayo. Oyo, toboui. Toboui tina nini, et bébé c'est la kibiso, mboka. Chauffeur, obele kabila naye. Cuisinier, obele kabila naye. Bureau naye, obele kabila naye. Mauvais militant. Azalinini, tribaliste. Voilà. L'actualité est prédominée toujours par la désignation, il y a des membres à comité à CENI, il y a donc à organisation à CENI. Mais nous allons vraiment réfléchir. Nous allons nous poser 3 à 4 questions dans cette émission. Pourquoi les manifestations contre le tribalisme? C'est organisé par qui? Vous n'êtes pas sans le savoir. Je crois que Bato Bazana Internet et Zana. Bateau baso le canabé émission que non va organiser ba caravane va organiser ba manifestation batois à la contre tribalisme. Nous allons réfléchir sur cette question là. Pour comprendre là le tribalisme zanine. Quand est-ce que quelqu'un peut être appelé tribaliste? Qui doit dénoncer le tribalisme? C'est nous le peuple. Commençons par là. Biso ba peuple ne faut dénoncer tribalisme. Tribalisme tokomo na ngonde ngenini. C'est ça la question principale. Tokomo na tribalisme ngenini. Mobutu nous avait bien dit que tribal totika makambo ya tribalisme. Quand Mobutu parlait du tribalisme, il disait il parlait de quoi? Il parlait de bakonzi au temps où baza ko nommé au ministre. Mokonzi ou bien tangoza président battu à tribune na yo kakande mutoko désigné banda na cabinet na yo ezala na place nyoso oyo za na pouvoir a kotia mutu oko préférer otia mutu ya tribune na bino azala na mayele ya kosala musala wana azala na mayele wana te pourvu que azala mutu na bino azala mutu ya tribune na bino eyaka ndenge nini. C'est ça la question qu'on doit se poser. Batu basala kaelo kwana pona ko consolider pouvoir na bango. Batu oyo balingi ko sala na baninga te. Basala kanenge nini balobi te. Nga soki nazo sala na batu mususu, bakoya ko changa bakal na musala na ngai. C'est comme ça qu'ils vont se sécuriser en recrutant batu oyo bazana affinité moko mingi mingi za na batribi moko. Oyo tomona ki wa ndenge nini tomona ki ango siko e community na ba ministère ebele o comme pa ya ministre tel okoyo bandana huissier ti na secrétaire balobaka munoko moko. Nous avons vu ça ba swahili tangu bakoti gouvernement comme ka ya ba swahili boko iko kanga mutu te tangu ya mobutu ezalaki ba mangala ezalaki l'armée, c'est là qui est armée à battu à Mangala. C'est ça donc. Parce que les gens se sentent en insécurité. Loi est zate. Tu as respecté la loi, mais tu as consolidé le pouvoir na biso. Tant que tu as une chance, tu as une chance, tu as une tribune, tu as une tribune, tourna biso yango maintenant okomona ba konome mutu bo ba tu atribina o ba mongo soki ba nani o soki ba o kianda ba tu ya nani ba eko ko féliciter o ba eko banda ko praise yo comme on dit en anglais que non ba komi ko kumisa yo ba komi ko faire voir yo que non tango na yango yo ekoki arrête voir avance là il y a babilo qu'on a yo siko ministre yo siko président il faut recruter kaka bandeko ibandeko na yo sala na aye ba musala aye ba musala te mais priorité aux autres sala pa kaka na bandeko na yo et mona na ngandenge nini eza ilo kwa ya kobomba te okokuta na ba ministère mususu baloba ka chiluba okuta na ma ministère mususu okoba bazolo ba kalingala
okuta na ba ministère mususu ezaka bazolo ba kimongo. Donc c'est ça justement le tribalisme. Donc mokonzi azako favoriser ba tu atribina e ba e ba musala te etalié te mais ba ezala kaka pembeni pembeni nae. Maintenant aujourd'hui toki koloba nini pour répondre à la question à koloba, est-ce que Tshisekedi, est-ce que le pouvoir actuel est un pouvoir tribaliste? Moi personnellement je dis bota la kaka bino moko tribini neza ko ko eza ko prédominer na ba poste non soit responsabilité lelo otoza na problème o ba toza ko linga ko consolider ba pouvoir na bango okoyoka ezala na parlement ezala na cour constitutionnelle ezala wapi na gouvernement partout. Vous allez vous-même répondre à cette question. Ngana lingi kolobate ke non ezabwe bo. Répondez botala ezabino kwa ko ya ko ya ko ya ko ya ko bombate. Botala ni yango bantu baza ko sala. Qu'est-ce que les gens font? Na cabinet a mokonzi. Botala combien de bantu baza kuna ya tribu moko. Na ba ministère au place mutwazali ministre tsoki Mouindo Zangi, bokende kotala na kabine na e, eske ba tu kombye baza na kati kuna baza ba nande, kinande kaka mtuwe loba maakuna, boti kaka to loba nengona. O kende na minister, soki minister ya nani o ba Kongo bazali, o kokuta kaka kote kuna, ministre s'est entouré avec les siens. C'est ça qu'on dit le tribalisme. Donc pouvoir ya lelo oyo, Eza tribaliste, selon moi. Bazako sale la tribalisme. Pourquoi? Parce que ces gens-là se sentent en sécurité avec leurs frères. Baye ba moussala te, mais akolinga atia batu, o bako protéger pouvoir nae. O bako sala nae. C'est tout à fait normal. Pourquoi ça? Parce que nous ne respectons pas les lois. Tozo tia mibe kolibo sote. Ezata na ba directive moko na ba biloko wana te. Na ba ministère te ke non. Voici qu'est-ce qu'il faut faire. Batu ba neglija ba biloko yo. Ancienneté ya batu. Neni ba neglija biloko wana ba konome o ministre. Tango okoma ministre okoya na batu na yo. Batu o kuti o. L'essence ya koloba ke non. Batu ya l'état. O yo chauffeur ya. Ba chauffeur par exemple. Il y a l'État, oh l'État, on doit foutre à Kabango, bas à la calsoute. Yo va nommer au ministre Mbalamo, okoya na chauffeur nao, okoya na bagarde nao, okoya na babiloko nao, batoua na banani, bas à choisir kaka na batuna batuya, ya turbina yo. On, à la tête de l'État, on peut voir aujourd'hui que non, bas nommé batouboué. Maintenant, au côté na ba cabinet na bango, au côté na banani kuna, et comment kande okuti siko tribalisme ezali? Ça c'est vrai. Mais comment est-ce que nous allons combattre ce tribalisme? C'est ça la question. Awa tozaki oloba, peuple a remarqué que notre tribalisme ezali, ce n'est pas moi qui le dis. Tout le monde crie balobi tribalisme ezali. Pourquoi? Parce que le peuple le remarque. Okene na ministère tsongolo okuta kuna kaka Batouana kaka bango moko. Batouana kaka tribu ya mokonzi. Okuta kuna munokomo oka ande mtweza lo keza kolobama. Okende na cour constitutionnelle kuna okuti kaka munokomo kondeza kuna. Mokonzi kote kuna za kaka oyo azana affinité na mokonzi. Mais maintenant, eloko wana eza kokoma pona nini? Toko sili sango pona nini? C'est ça la question. Toko sili sango nenge nini? Toko sili sa yango bandeko na ba reforme oyo ezali remarquable e oyo ekomona na miso ya batu nyonso tout. C'est-à-dire que les gens doivent se prendre ba se to se comprendre biso nyonso. To se comprendre to yeba place ya mutu na mutu eza ndenge nini. Comment accéder au pouvoir? Eloko tolobaka ba ordre de médecin, ba ordre ya ba avocat, ba association ya ba banani wana oyo batu. Côté oyo na Afrique du Sud par exemple, ezalaka na ba think tank, ba ingénieur. Oyo ba yebani par exemple ke no baza association ya ba ingénieur. Soki baza kosenga par exemple mutu ou bien poste moko boye vacante par exemple tolobaka
président alingi azwa secrétaire naye particulier ou bien assistant ou bien je sais pas mutu moko boza na besoin ya mutu boy ba norme ça la ka déjà défini. C'est là où nous avons pas biso comme un cas politique to comme ko désigner ba tout selon les politiques to landa ka sou ba critère té même désignation ya ba ministre. Le ministre n'a jamais postulé comme un cas d'arrangement. Et c'est là d'où vient le tribalisme. Ce qui est arrangé, c'est qu'il y a un pouvoir discrétionnel à Mokonzi. Il y a un effet ici. C'est ça qui amène le tribalisme. Parce que il y a un suivre la norme. Le critère est que le ministre est à la sous-souté. Il y a un divisé gâteau qui est en train de ne place Babylon Kwane. Il faut maintenant, pour te casser Babylon Kwane, moi j'ai dit ceci, tribalisme, le loi, il faut aussi la tête dans le modèle Oyo. Otoza na ngo. Et il faut aussi la tête, c'est impossible. Mais aussi, c'est le loi Kwane, c'est un dengeni. Et ça, quand on est dans la conférence, dans l'état général, dans le territoire, là où nous allons reconnaître les tribus, tout ce qui est tribu en exergue, nous reconnaissons que nous avons à peu près 450 tribus. Notre constitution parle aussi de géopolitique. Na gouvernement na biso il faut tous aller en équilibre. Mobutu aloba ki que non, faut combattre. Oh ya aloba ki selon lui, il a dit que non na cabinet na oso okuti, so ki batu ba eko sala inspection ya batu ba tribaliste wana, ba eko kuta na cabinet na yo, ozana batu misatu minei. Ya région ou bien ya tribu na yo wana za tribalisme. Moi je dis que na ndenge wana to kolonga te. Acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by four level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@fourlevels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Modelo e photo longa e kozalandeni. Il photo kende na Congo ya sika. Nous prenons la 4e République ici. 4e République toko bandango ndeni. Il faut que ba tribu wane za la reconnu et za la na pouvoir. Pouvoir à la base, c'est-à-dire que Batunabatu, il faut ba yokana déjà na à partir de la base. Non, c'est pour cela que moi je parlais de territoire. Moi je suis pour que 26 provinces oyo etikala ndenge za 26. Pourquoi? Parce que ekosende biso na katia ba babiloko moko ba tribu oyo ba batwa okiko kozala mingi te ba okozala na possibilité ya koyebana na koyokana. Les gens peuvent se mettre d'accord en se disant o eza mboka na biso, o eza territoire na biso, toza na nini awa, nini yango ezo tungisa biso, développement na biso ezo sala ndenge nini biso awa. Déjà soki tozwi ba équilibre na niveau ya ba territoire ya koloba ke no écoutez biso toyebi ke awa banande baza ebele. Voici nous avons 25 par exemple 25 postes ministériels nanani na territoire na biso awa. Na territoire na biso batu fo basala 25, il faut tout tenir compte ya équilibre ya batu o baza ebele awa. Mais maintenant au niveau ya province, tangu batu ya territoire bakoyoka na kuna bakotinda batu na bango na province, batu ya province pe batindi batu na niveau national. C'est ainsi au komona ke tangu tokozwa ba ministre, tangu tokozwa ba, nous allons appliquer la compétence ya koloba ke non. Écoutez, tozana cabinet na biso fois à la par exemple na 35 ministres,
ministre faza la boye, ministre faza la boye, ministre faza la boye. Mutoyo akoki si babilo kwana te akoki kozala ministre te. Les ministères ne seront pas négociés, ne seront pas mutoyo par exemple akozala premier ministre ou bien président de la République, il faut un kokuta ba règlement déjà ezala bien défini. Et quand les règlements sont bien définis, c'est la méritocratie qui va compter. Méritocratie ne peut pas guider le président de l'abysso et à Kolobate. Pour tous, par exemple, ça, n'est-ce pas constitutionnel, par exemple, pour la membre, il y a cour constitutionnelle, il faut avoir passé 25 ans, par exemple, 15 ans, exact 15 ans, s'il vous plaît, 15 ans là-bas, critères. Maintenant, les gens vont postuler. Et na ba tu ba koye ba ke mutu oyo ayebani aza membre ya ordre ba avocat aza bazaboe akokisi ba biloko wana ba le kakasikoyo par exemple na ba commission na ko désigner batu. Ici en Afrique du Sud, le président de la République avait dit par exemple pour ba désigner pour banani batu ba cour constitutionnelle, il y a eza yete. Et ça y était, ça la commission moko et ça la capé ba interview na batu ba ça la ka ba interview et ça pratiquement indépendant ba e ko pesa président pour ba choisir procureur général je crois na batu msusu pe on a imposé ça. Maintenant c'est Cyril Ramaphosa qui a imposé ça lobi au lieu to banda ko loba ke non président ayebani na mutu te na ko sala nganga na batu nyoso tout. Le président de la République ne doit pas avoir cette latitude. Ye moko banda kozala bi bon. Na ye awa ngai na kosala kana mutu boete. Il doit y avoir un comité à koloba ke no batu oyo ba kosale la mboka, il faut ba uta bo, il faut ba sala bo. Batu wana ba kozala désigné par une commission ya koloba ke no mutu kozala assistant par exemple na banani ba puise wapi. Na ordre ba ingénieur par exemple. Total et lobby, tozan a besoin ministre, il faut ayeba par exemple communication. Ayeba eloko nini yango ça veut dire na quel kozala ministre par exemple ya information quoi que ce soit. Il faut ayeba. Alors, nous prenons ceci que na mboka oyo poto sili salikambo a tribalisme et ko kiko sila te na modèle oyo tozan ango lelo. Ça ne peut pas terminer dans le format actuel de notre pays. Tant que le peuple à la base ne s'est pas approprié du pouvoir régalien naïe. C'est pour cela que tout ce qui se passe là-bas au Parlement, tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous sommes en train de nous dire que c'est la transition, c'est la passe-temps. Nous sommes en train de passer le temps au lieu de regarder sur la reconstruction du pays. Tant que nous avons un état généraux, il y a un territoire où les territoires vont réfléchir sur la marche de leur territoire, comment réfléchir sur la nouvelle constitution qui donnera et qu'on prendra en charge dans le bilo qu'on surtout dans l'équilibre à la tribu. Pourquoi je dis l'équilibre des tribus? Parce que les tribus, ce sont là les composantes. Il y a peuple Nabiso, il y a Mboka Nabiso. Ce qui est dans l'article 10 Nabiso Zali Keno, le Congo c'est une association de peuples qui avaient des tribus et des ethnies qui avaient leur terre auto-tchèque ensemble. Et donc nous devons absolument tenir compte de la tribu. La tribu, on a nous sommes ensemble, tout le babon, au territoire, dans le cadre de tous les quatre tribus, dans le cadre du territoire. Ba tribu auto vandi to lobi ok makambo ko bundezate, nous allons nous identifier, nous allons nous quantifier to ye ba démocratie en auto kenenango ndengeni. Et dès que nous avons cette unité na kati ya ba territoire et ko kenen na kati ya ba province, ainsi nous aurons un pays homogène o eza constitué na ba tribu. Donc le tribalisme n'arrivera plus même au niveau de la du niveau il y a présidence de la République. Pourquoi? Parce que le grand problème, le réel problème aura été déjà résolu à la base. Na katia base tokoye ba ok awa ba c'est la méritocratie qui prime. Mutu oyo ayebine mutu akosala nani ba twani nango ba ko choisir ye. C'est comme ça que j'ai dit. Tant
tokozala na ba association na biso to lobby to awa za ba association ba ingénieur banani. Nous aurons à reconnaître les valeurs ya batu. Bao ba tanga ki bao banani. Ainsi le même ba classe na biso kozala na valeur parce que nous aurons à dire que non, mouto kozala président de la République, il faut qu'elle ait la critère boy boy. Ce qui n'est pas là aujourd'hui. Même les députés on les choisit comme ça. C'est pour cela que nous avons dit que vraiment le tribalisme, dans le modèle où il y a beaucoup de gens qui ont aussi la carte. Le tribalisme va continuer parce que nous sommes en train de vivre dans un pays où nous n'avons pas une cohésion nationale, cohésion même dans la tribu, dans la tribu, Toyokani. Boyokani banda kanase bandeko tokyo banda ko tonga mboka ndaku na kati ya batoiture te toko tonga ndaku na fondation et fondation c'est quoi? Ce sont les tribus. Nous devons reconnaître les tribus et leurs terres batu na batu ba ebeni ka banande na banda ba bazombo soki wapi tout ça tozala combien awa territoire na biso toko dirigeant ngone ni to s'identifier. On s'identifie, on se met d'accord, on se dit bon ok, nani nda ko diriger, muto ko diriger fois à la boye boye boye. Est-ce que ça na tribu o to tenir compte ya babilo ko na nyoso? Mais aujourd'hui imagine-toi les gens qui nous disent que non ezaka ba lubande mutu batanga. Ça, c'est marcher sur la mémoire des intellectuels des autres tribus. Il y a un journaliste qui me dit que non, il disait, oh non, nga nazana nou congolais avant que je sois mongo. Mais dit, vraiment, moi, je me suis dit, ok, toti kakak, parce que tu ne seras jamais congolais si tu n'as pas un tribu. Okozalana nou na tribu na yo. Tu es mongo d'abord. Et c'est pour cela que tu vas investir en Mbandaka. Que tu vas, au lieu d'aller investir à Iju ou bien à Goma. Yo, ozala, ozolo, bakeno, yo, ozala, nous congolais, tout ça. Ça, c'est faux. C'est se voiler la fâche. La face, c'est ça politique autriche. Ozo kangami sona ba. Na biloko, eza kozong, sabiso sima. Moi, je crois que nous devons réfléchir vraiment bien à haute voix en disant que. Otozo kende nango système otozo kende nango lelo eko tombolaka jamais mboka na biso et il est grand temps à ce que nous rentrons à la base pour réorganiser la base est soit consensus moko balobi bo awa tokosalaka bo toko gérer mboka o neni en reconnaissant mutuna ba tribuna soki to reconnaître ba tribu tokoye ba valeur na bango. Comment nous allons savoir que ce sont les Baluba qui ont les diamants et que nous allons respecter que ça bango na ndenge que bazala ka diamantifère to yebi que banande bazala ba commerçant nous allons les respecter dans leur commerce ba agriculteur to ko respecter ba agriculteur na mais tout tiaka ka biloko nyoso tsanga nous n'arriverons pas. Ça fait 60 ans que nous avons essayé, ça n'a pas marché. On va terminer par là aujourd'hui espérant que si j'ai autre continuer kanango kaka parce que nous devons divulguer, nous devons vous faire comprendre que le tribalisme zali lelo et c'est un vice pour notre société. Nous allons continuer toujours à kobeta kasete na likambo. Voilà. Avant de terminer, je vais vous demander si vous aviez aimé, laissez un petit like. Abonnez-vous nombreux vraiment. Bo panza iloko oyo bandeko. Et c'est pelisa kanga soki na moni ke bat baza ko partager ou bien bat baza ko s'abonner. Et tikali mouke kaka soki tozo ata encore une ata 2000 msusi ya ba abonné et o sala biso bien. Merci beaucoup, on va se revoir demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien et bon début de la semaine. Au revoir.